Oh là les mecs, j'espère que vous allez bien. Salut à tous, c'est Léo. Aujourd'hui on se propose une nouvelle vidéo. On est à bord de la Lambo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est en voiture les amis. Regardez, vous l'avez vu au titre. Aujourd'hui on va échanger un iPhone contre une moto. Regardez, il est là, il est avec moi. Je n'ai pas mis sa ceinture, je l'avoue. Là j'ai un petit peu de route, je vais arriver chez la personne. J'essaye de vous filmer ça en discretos, frérot, tu connais. Désolé pour le cadrage. Vous êtes sur le lever de vitesse les refs. Bon allez, sur ce n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On met un petit pouce bleu. Je vous explique tout, tout ça après les refs. Et je me suis trompé de sortie. Donc on est parti pour faire un tour de rond-point en plus. Allez, à tout à l'heure les mecs, ciao. Et elle s'insère en plus. J'ai failli la taper, mais je vais la taper en plus. Non mais, allez, ça bombarde. Maman, l'engin, 204 000 km. À peine rodé, il est tout neuf. Bon allez, sur ce les mecs, à tout à l'heure, ciao. Bon les mecs, ça y est, je suis arrivé. Donc là on peut croire qu'il fait éclair, mais là il est tard hein. Là il est tard les mecs. Quelle heure? Non, ça va en vrai. 20h12, les mecs, j'arrive. Pour vous expliquer en fait, si vous voulez, j'ai changé d'iPhone. Voilà, j'ai pris le dernier. On me dira pas que je suis un pigeon, c'est pas vrai. C'est pour les vidéos, c'est pour la qualité. Effectivement. Et du coup là, je me suis dit, au lieu de le vendre, je vais essayer de voir s'il n'y a pas un truc cool à faire. Du coup je me suis dit, je vais l'échanger contre une bécane. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires au niveau de la valeur si on est si je me fais avoir ou pas. J'ai regardé un petit peu les prix sur le bon coin. C'est similaire entre le prix de l'iPhone actuel et du coup le prix de la moto. Donc voilà, du coup j'ai proposé à la personne de faire un échange. Elle a accepté, j'ai l'iPhone juste là avec moi. Et ouais, je l'ai toujours pas attaché. Et voilà, là j'arrive chez elle dans très peu de temps. J'essaie de vous filmer là-bas. Et en tout cas je vous la présente en rentrant à la maison. Mais c'est dingue comment sur la caméra il fait clair, alors qu'ici les mecs il fait tout noir hein. Franchement c'est un truc de ouf. Bon allez, sur ce je vous reprends tout de suite les amis. Ciao ciao. Bon les amis, je suis arrivé chez le vendeur. On va faire l'échange, on le connaît pas hein, regardez. Donc voilà, j'ai mis le petit loustique. Regardez, il va faire son unboxing. Gan, fais ton unboxing. Bonjour. Gan, vas-y, fais ton unboxing sur le toit. Gan, ciao. C'est lumière. Ciao, voir, what? 13 Pro Wish. 13 Pro Wish, ouais. Il est blanc. Merde. Attends, il va falloir en mode. Oh merde, comment? Vas-y. Et là, il fait tomber, frère, il explose sur un pavé, on est mort. En plus, j'ai même pas touché au câble de charge et tout, c'est les 9. Vas-y, fais l'unboxing. Wow, frère. Oh. Oh, unboxing. Il sort de concession. Il sort de concession. T'as vu tellement moi je garde les trucs, frère. Il y a encore. Non, c'est en bas pour le soulever si tu veux. Yann, vas-y, sors-le. Tu vas pouvoir redéballer un iPhone déjà déballé. Putain. Ça change pas d'iPhone tous les ans. J'ai peur de le faire tomber. Vas-y, Yann, fais le déballage de l'écran. Si t'es prêt. Et je pourrais y coller autant. Je t'ai dit. T'en as racheté un nouveau, quoi. Oh. T'as vu, on dirait tellement qu'il est neuf hein. Attends, je vais le garder au cas où. Mais tu sais que moi je l'ai gardé comme ça et depuis un an. Et t'as vu comment il a recollé? Ouais, j'ai l'impression que c'est un nouveau. J'ai nettoyé l'écran et il a recollé. Bon les mecs, on arrive dans l'urbex là. Je suis avec l'échangeur. Je lui ai livré la cam. Là il va me livrer le CBR500. Regardez les amis. T'as Egan, et il y a des balles, des carénages et tout gros. Regarde le gars, les notifiés, bulle d'air, ça c'est visière teintée des MT7 là gros. Regardez les amis. Regardez les amis. Ninja! Tu sais que j'en ai déjà deux. Moi j'ai une ninja mais pour l'autre. Non, pas une comme ça, mais une avec ça, les deux sorties. C'est exprès pour ça. Après, il manque le carbu que j'ai pas encore. Là c'est bien, là je vais pouvoir piloter avec le guidon. Tu sais. Ah, c'est vrai qu'il manque le guidon. Il me dit quoi? Il me dit, ouais, c'est vrai qu'il manque le guidon. Éventuellement, c'est vrai que là pour tourner ça. Je vais retrouver. Je coupe la cam. Si, c'est ici qu'on a brûlé la mobilette. Ouais, qu'elle avait très chaud. C'est pas un guidon, ça, frère. Putain, c'était ça, ce guidon. Il est gros, la vidéo. Eh, regarde, attention. Regarde le guidon, il se met là. La vidéo, c'est vrai. Ah, oui, mais genre, il manque l'autre bout du guidon. Et l'autre bout, il est de l'autre côté. Il débarque comme ça. Bah, oui. Là, t'en as qu'une. Alors attention, on va finir l'urbex. Et alors ton... Gros, ça va faire 5 mois que j'ai pas démarré. Mais ton épave là, tu le revends quand? Vas-y, fais nous une petite présentation Marius là. Alors là nous avons 500 CBR. CBR 800 GSXR. Alors, mais là, ce moteur là il tourne pas lui. Ouais mais il manque des trucs pour qu'il tourne. Une bougie, un carbu, mais ils sont chez Martino. Que je dois aller chercher. Oh, bah, Martino. Ce qui m'appelle. Belle M Racing. Vas-y, bah attends, on lâche en vidéo.
Eh, c'est des pneus slick, gros. Hein. Ouais, il faut que je... Putain, il y a tout Martin. C'est pas grave, tu me feras un petit pack. Tu me feras un petit pack de la salle de... Et j'ai des vidéos quand elle tournait, mec. Elle marchait fort. Dis-donc, je sais même pas pourquoi j'ai arrêté de rouler avec. Bah ouais, pourquoi t'as arrêté? De toute façon, là, dans une semaine, elle est pimpante, elle va rouler. Dans deux semaines, c'est la vidéo. Tu vas venir. On va faire la course. Hein. Vas-y. Vas-y, go. Go fast. Bon, les mecs, notifiez-moi l'échange dans les commentaires. Ah ouais, retour au stand. Attends, merde, j'ai oublié le carénage. Ouais, t'inquiète. T'inquiète. Ah, ils ont été rafistolés, frère. Ils ont fait la guerre, ceux-là. Attends. Et là, frère, ils ont fait le débarquement, là, tes carénages. Vas-y, 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 cours. Ah, les mecs. Les mecs, go fast. Bon, voilà, les mecs. On a échangé. On a fait l'échange, attendez. Je mets la lampe torche. Voilà, les mecs. Dites-moi dans les commentaires. Voilà les clés du cabas. On va charger ça dans le bolide. Ah ouais, attends, par contre, c'est plein d'affaires propres. Bon, les mecs, là, on charge. Avec le vendeur, il a mis sa capuche pour pas se faire reconnaître. Vas-y, comment? Eh, c'est la taille qu'il faut. Attends, ça, ouais, vas-y. Voilà, c'est bien, là, ça voilà, va tenir. La peinture neuve. Ouais, la peinture neuve. Attendez, on met les carénages. Attends, le guidon, putain, je fais oublier, mec. Mais gros, t'as failli oublier le guidon. Eh, mec, le guidon. Eh, le guidon, en fait, c'est plus une béquille qu'un guidon. Pour Ninja qui coûte 100 000 euros. Ouais. En faisant le carénage neuf dans le papier. Neuf dans le papier, gros. Ils ont été refaits par un carrossier peintre. Mais non, trop putain, drôle. La 206. Ça, mec. Ça, c'est pour prendre la vitesse. Un petit aussi. 10 quitter avec la chemise. C'est pour prendre la vitesse, ça. Ça gros, tu prends 400 km. 400. Ah ouais, attends, t'as ouais. Avec chaud, toi. Voilà. Regarde, on va carrément fermer pour pas que les gens y... Ils voient le bolide, tu vois. Ouais, pour voilà. On a chargé tout ça dans le Kangoo. Dans le Kangoo. Attention à la plaque. Putain, ça fait longtemps que tu fais ça, toi. Hein. Bon, voilà, les mecs. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve au garage pour le débrief, même si j'ai pas de garage. Ouais, le mariage. C'est stylé, ça, dans... Ah, ouais. Hein, celui-là. Ouais. T'es sûr, hein. On a les plans. En fait, je vais prendre la peinture comme ça. Et j'ai pensé, au pire, on va à Action. Et on fait customiser de moto chez Action. Ouais, pour pas cher. Mais t'inquiète. Ça, je prends. En liquide, je prends. J'ai trouvé une couleur. Ça, je prends, ça. Bah, tiens, essaye. Vas-y, fais le déballage. Le déballage, alors. Déballage neuf. Wow. Je te jure, c'est 25 euros alors qu'AliExpress 5,50 euros. Ouais, non, maintenant il y a l'inflation, hein, elle s'en fond. En plus, t'as le filtre à air et tout complète. Ah ouais, j'espère là ça va ouater. Ça va ouater. Donc là, on va voir où on se retrouve. Soit Action pour voir ce qui est possible de tuner chez Action. Faut encore réfléchir. Voyons rose. Ouais, on va repeindre les gens, toi. Non, elles sont jeunes, les gens, c'est vrai. Elles sont jeunes. On les fait noir ou on les fait avec suivant de la couleur? Je sais pas, faut voir. Faut voir ce qui est possible de faire. Déjà, voir là si avec ça, ça démarre. Tout est possible. Dans tous les cas, là, il faut acheter une cartouche pour l'imprimante. Voilà. Sinon, comment on imprime? Et allez hop, c'est reparti. Hein. Ah ouais, les amis, rebonjour. Donc, là, on est passé sur la caméra. On a lâché l'iPhone et regardez, les amis, le bolide de guerre, très bien entretenu. Ah là, ça tourne sec. Hein. Du coup, là, on va voir si ça démarre. Hein. Avec ce fameux carburateur. Ça va démarrer. Et puis on va voir. Accélération au câble. La flemme de mettre 25 euros dans un tirage. Et vous, allez, c'est parti. On en a un tirage. On va faire de la place. Voilà, voilà. Allez, t'es prêt, tu la tiens. On la sort des stands. On la sort des stands. Non, prends le guidon, parce que là. Ouais. Allez. Oh putain. Oh là. Hop là. Sortie des stands. Voilà, sortie des stands avec un guidon là. Bon, les amis, on monte le carbu et on vous reprend tout de suite. Hein. Moi, je vais déballer ça, les amis. Attends, tu veux. Je vais me mettre là. Sur ça. Voilà, 9. Alors, un carbu se compose de ça. Voilà, les amis, bonne soirée à tous. Il est lourd là, on va perdre en puissance là. Mais non. Voilà, alors voilà ce qu'on a. Bah voilà. J'espère que ça va fonctionner avec ça. Hein. Je sais pas du tout si ça va fonctionner. On l'espère en tout cas. Et si ça va fonctionner, ça va ouater. En plus, il y a même le filtre à air. Oh, ça va ouater là, ça va ouater. Bon, voilà. Les amis, le moteur, donc en fait là, on peut comparer ce moteur là à celui qu'il y a là-bas. Ouais, bah en fait ouais, c'est un moteur démonté. C'est un moteur démonté. Donc là, carbu et ça tourne là. Bah ouais. Normalement, et après ça va accélérer au câble. Bah non, on a un tirage, ça va pas accélérer au câble. Bah non. Faut comprendre. Attends. On a même un truc de frein avant. Attends. Et on a même du frein. Avec ça, ça va fonctionner. Bah ouais. Si on enroule le câble dedans. Même pas, regarde. On a un câble direct.
Ah bah pour voilà. S'il passe nickel, mais. Ah bah voilà. Et puis on a même un truc de un levier de frein qu'on va juste limer un peu le. On a des feuilles aussi. Ouais, ça, les amis, pour ceux qui s'en souviennent, c'est la première fois que j'ai ramené les deux motos de Facebook pour 80€. Du coup, vous allez voir. Il y avait ça en plus dessus. Non, ça c'était de l'autre. Je l'avais récupéré dans les pièces. C'était un truc de vélo. Ah bah voilà. Là, je peux vous dire, on va en faire 3 compètes. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man.